creux, voilà, j'ai passé en saut Pokémon, moi j'ai eu quelques soucis de réglage avec Fraps. Donc voilà, il y a quelques minutes, 2-3 minutes hors caméra du coup. Donc j'en ai profité pour capturer deux Pokémon de plus, Abra et Natu, que j'avais raté la première fois. Car apparemment quand j'accélère, eh ben le jeu se verrouille à la moitié de ses images par seconde, donc à 30 images par seconde au lieu de 60. Et donc jouer à la vitesse 50% c'est pas amusant, surtout au niveau du son qui est complètement saccadé. Donc voilà, j'ai mis l'enregistrement à 60 images par seconde à partir de maintenant. Donc j'espère que ça ne buggera plus. Ouais. Alors j'espère que je pourrai accélérer à fond. Ah non, je l'ai pas eu. Il me semble que le bluff c'était parfait. Ah merci. Non. On va remplir l'année. Alors la vampire grande c'est génial pour capturer, parce que ça permet de. Bah, de faire descendre tout doucement les points de vie. Allez, c'est bon, c'est l'air. Allez, balance même. Allez, je continue capture de Pokémon. Il s'échappe. Ah, juste à temps. Hein. Alors, oui. Allez, c'est bon. Locuno, fallait dire Pokémon Girafe, pas Pokémon Locuno. Allez. Le PC inconnu. Non, le PC triple point d'interrogation. Je sais pas si j'ai tout capturé, allez accélère. Cadabra c'est fait. Allez hop. Bon je garde Froiza en premier parce qu'il il a poudre de dos donc. Et les Pokémon Psy ils adorent se téléporter pour fuir. Ah c'est encore trop tôt, on n'a jamais vu de Pokémon légendaire. Avant on va dire les deux tiers du jeu. Allez on aura fini la forêt psychologique, bon, c'est une petite forêt sans dresseur. Hein. Juste bon pour capturer des Pokémon. Bonjour. Bonjour, je le sais pas, bonjour. Route 7. Ville des corbeaux, forêt psychologique. Attention aux des armures là. Et des dresseurs aussi. Oh, et le démine. Je voudrais pas le OS avec... On commence par faire dodo. Amuse-toi, ça fait gagner un tour sur le sommeil. Gros dodo. Accélère un peu. Giga Sorcier, ça va pas l'OS, parfait. Pokéball, go! Tout, tout, tout. Oh, ça va pas, ça va pas. Oh, c'est super efficace, on va se rendormir. Et bon, il est en mode. J'avais pris ce Pokémon dans mon équipe dans la version Saphir. Bon, il est un peu plus faible que Roucarnage, c'est bien. Ouais, t'as pas un Roucarnage. Bon, toi, je t'ai déjà. Donc, je te balance de la merde. Voilà, des bons déchets. Merde. Je sais, c'est pas écologique. Un dresseur qui on va se promettre sur son dresseur. Le plus faible. Allez. Toi, t'as un niveau de retard. Pif. Attaque charge, oui. Allez, je fais son attaque gratuite. Et tourmente, ça fait quoi? Ah oui, on peut pas faire deux fois la même chose. Oula, ça c'est dangereux ça. Dodo. Non, non, tu peux pas le faire deux fois. Dodo, parfait. Pokéball, go! Plus l'avantage des attaques stratégiques comme Vampigraine ou Poudre de Dodo, bah, c'est que ça aide à la capture des Pokémon. Bon, le Neck plus Ultra, c'est quand même l'attaque Fauchage qui laisse un PV à l'adversaire minimum.
On est sûr de pas le mettre KO par accident. Alors, c'est un dresseur ça. Je sais même pas où il faut passer là. Non, c'est moi qui te mets le point d'exclamation. C'est moi qui te parle. J'aime pas quand ils foutent leur point d'exclamation dans la tronche. Humble boss. Oh, il est tout mouillé. Il est ramolli. Et il est intimidé. Allez, ça fait mal. Faut bien mordre dedans. C'est tout mou. Bon, pour le fun, on va rester sur le Pokémon. Allez, rebond. Coup de boule. Non, tu rates ton attaque. Ça, je suis sûr de l'OS parce qu'ils ont une assez bonne défense, mais aussi. Monsieur, mais non, je ne change pas de Pokémon. Allez, on va mordre là-dedans. Même si c'est pas stabé, ça fait mal. Donc stabé, ça veut dire same type attaque bonus, donc bonus d'attaque du même type. Ça fait 50% de dégâts en plus. On va tirer un peu là. Ouais, je calme. Je suis immunisé de toute façon. Et l'ombre, oh là. Tiens, l'ombre en contre l'ombre, allez. Et le mien est shiny. J'ai un petit objet ou quoi? Non, pas d'objet. Ah non, je ne savais pas pour le Pokémon légendaire. Merci de l'avoir dit. Donc Arc-en-Ciel, c'est OO, vous l'aurez compris. Hein. Donc le Pokémon Phoenix, ouais. C'est une curiosité dans ce OS. Ah bah non, même pas. La charge. Ça fait toujours du XP. Alors, le Nihaos. Je vais comme chercher mon objet. Herbe mentale. À usage unique. Donc c'est un objet qui ne sert à rien. Sauf dans la tour de combat où les objets sont restaurés après chaque combat. Point d'exclamation. Là, on est obligé de se le prendre dans la tronche. Ouais, tu m'as mis un point d'exclamation dans la tronche. J'ai même pas pu te prendre par derrière pour te mettre mon point d'exclamation. Ah quoi quoi, il n'a pas le truc ici. C'est normal. Ouais. Dans le dé de colère. Hop là. Démolos. Sacha va-t-il changer de Pokémon? Non. Quand il est énervé, on peut plus l'arrêter. Ça c'était mon Pokémon dans la version Or et Argent. Il faisait partie de mon équipe Démolos. C'est vrai qu'il a mon double type. Hein. Aïe, oui, bah ça pique les points d'exclamation. Ah, t'es pas riche, toi. Alors, Donc, Pokémon version fou, par contre, a une petite caractéristique, c'est que les routes sont étroites et les Pokémon sauvages qui se baladent sur la carte, avec lesquels on ne peut pas interagir, ils nous snobent systématiquement. Bah, ils nous bloquent parfois la route et c'est énervant. Cet arbre semble pouvoir être coupe. Voulez-vous utiliser coupe? Oui, c'est une flotte utiliser coupe. Ah oui, ils sont pouvoir être coupe, cet arbre. Hein. Tombe roche. Avec une jolie croix dessus. Voilà. Vous voyez là, le Miaouss, il me bloque. C'est énervant ça. Malos. Ah, j'ai jamais eu de Malos, tiens. Morsure, sans doute. Parfait. Alors, on va essayer d'en aller. Méchant, le chien est mort. Hein. Oh merde! Bon, moi je sais qu'avec Morsure, il n'y a pas OS. Voilà, il nous snob. Allez, dégage. Voilà. C'est là où l'accélérateur c'est utile. Morsure. En plus, il me semble qu'il a matinal en capacité spéciale. Oui. Ah bah oui, il n'est pas endormi, forcément. Troisième tour. Alors pourquoi je prends que des Pokéballs? Parce que c'est la plus rentable économiquement. Ouais, quand on n'est pas pressé pour la capture, c'est parfait. Hein, c'est la moins chère. Et encore un coup, ça y est. Dégage. Un PV. Tu m'énerves, je vais pas te capturer.
objectif. Déjà capturé, c'est parfait. Allez, colère, il est bien. Alors lui, il a un Stylix. Et qu'est-ce que craint Stylix? Allez, on va mettre L. Niaus. Double pied, et oui, combat. Allez, non, non, non. Reste là, reste là. Je te mets le point d'exclamation, c'est moi qui te le dis. Non, 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 tu me regardes pas, c'est moi qui te regarde. Un petit Stylix. Ça aussi c'est un bon Pokémon, allez. Double P. Post clean. Ah d'accord. C'est rien du tout. Il me met une croix. Bah oui mais c'est très peu efficace. On voit bien notre problème. Bon il va brûler. Allez, on va. Il a une défense exceptionnelle hein. Faut taper sur le spécial quand même. Je pense que le Florizarre fait beaucoup plus de dégâts d'ailleurs. 1152 Pokéfreak. Ah mais il est riche lui. Manos, déjà capturé. Ok. Allez au revoir. Allez niveau 40. En haut. Vous voyez les petits zigzags qu'on est obligé de faire là. C'est sympathique. Alors, heureusement que dans les autres herbes, il n'y a pas trop de Pokémon sauvages, on n'est pas trop harcelé. Ça c'est bien. Alors ça c'est une ressource facultative. Ah mais non, j'ai rien dit alors. On a foutu son point d'exclamation, ouais, tronche. Ou alors si on parle sans marchand et nous engage pas, ça serait cette chose. Y'a Quera. Ah il m'a activé, il a sauté un peu dans le physique. Ouais, c'est bien. Allez, bouffe ton poison, ça fait du bien. Oh, le singe, le Pokémon toujours énervé. Ouais, je prends plus du coup. Ouais. 9, c'est gratuit. Ah, il y a un petit objet. Ceinture noire. Ouais, tout en séisme, ce n'est pas très efficace. C'est vrai qu'on parle d'objets rares parfois, on peut avoir des bonnes pioches. Je suis cassé. Allez, je suis full. Il. Tu l'as dans la tronche. 744 Pokéfreak. Alors, on va récupérer l'objet. Donc, ceinture noire, c'est 10% de puissance en plus sur les attaques combat. Hein, quand c'est parti. Alors là, c'est un piège, on peut facilement tomber. Voilà. Et Myst. Vous voyez, Myst, c'est le nom du développeur. Le développeur s'est incrusté dans son propre jeu. Ça fait un jeu, c'est vraiment un œuf de Pâques. Hein. Et oui. Myst et Mickey, les deux qui ont façonné ce jeu, et oui, ils se mettent eux-mêmes dans le jeu. La planque roquette. Ouais, une ville de combo, ça m'étonne pas. Donc, dans ce jeu, notre personnage joueur, il parle. C'est original, hein. Parce que normalement, il est toujours silencieux. Généralement, dans les RPG, notre personnage ne dit jamais de mots, hein. Il est toujours silencieux. Et les jurons et tout ça, ça y va facilement aussi, hein. Le langage est assez cru, hein. Et donc notre personnage joueur en a mort après la Team Rocket parce que ils ont volé le Mélodelph de ses parents. Et donc dès qu'il entend Team Rocket, c'est tout de suite ah, je vais vous péter la gueule Team Rocket. Voilà, leur monument à l'entrée de le Crossville, ça s'appelle bêtement une volière. Allez. A plus tard. Eh oui, une volière, vous avez bien lu. Simple volière, c'est pas la tour cendrée ou la tour haute classe, non, c'est volière. On y entasse des piafs, voilà. Allez, le point d'exclamation dans la tronche. Moi j'aurais pu lui mettre mon point d'exclamation. J'ai pas pensé. Un ornithologue veut se battre. J'ai rien compté, non. Un peu. Oui. Oui. Est-ce qu'il a des œufs erreurs à l'accélère? Larsa. Non, pas d'œufs erreurs. Ah, il m'a rendu fou. Ok. Ok, bon. Allez, tout en toi. Ah, bah oui! Vas-y! Allez, défoncez-le. On va l'acheter.
morsure sans vérité. Ok. Non, je change. Hop, Gérard, non, pas de Gérard. Morsure. L'équipement il tangue bien. Calic là, 960 coquets fric. Merci pour l'argent. Eh oui, mais c'est toi qui m'as attaqué. Hein. Ah, t'as un objet rare là. Comment il est ? Ça va, ça va être par sort. Hein. Les objets qui nous larguent. Là. Allez, on va là, évidemment. Bonjour, comme d'habitude. Attention, vous voyez là, la ville des cornèbres. C'est des corbeaux ténébreux. Voilà, ils nous snob. Ils nous snob, comme la plupart des Pokémon dans le décor. Allez, on va se charger de la volière. Je sais pas combien de temps la vidéo fera, j'espère qu'elle est pas trop longue. Alors la volière, c'est assez rapide. Alors je sais qu'il y a des diltons, donc un Altaria peut être un bon choix. J'ai un... Ah non, question d'honneur, je vais faire un truc fait. Je vais aller chercher mon Piaf. Attends, dans une volière, on met des Piaf. Donc, je vais chercher un Piaf. Deux Piaf, même. Alors, retirer Pokémon, déposer Pokémon. On va sacrifier... les Florizard... on évite de mettre des plantes dans des... Donc ça, j'en ai pas besoin. Donc, les Piaf sont respectivement... Brassegali, c'est un coq. Bon, même s'il n'a pas d'aile dans le jeu, c'est un coq, donc un oiseau. Et bien sûr, Rocarnage. Et oui, c'est un poussifeu, c'est un poussin. Donc, ça a des ailes. Garde mes deux voleurs, c'est toujours utile. Alaxer, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le garde. Volière, tour céleste. Bon, ils auraient pu l'appeler la tour céleste, c'était plus classe comme nom. Attends, j'ai pas le dernier mot. Arc proximité, ok. Personne connaît le nom du Pokémon, bien sûr. Alors, il y a des statues de Pokémon partout et... Par contre, ça c'est énervant dans tout ce qui est type grotte et compagnie. Les Pokémon légendaires qui nous... Enfin, légendaires. Pokémon sauvages qui nous harcèlent. La Team Rocket. Alors, je suis le gardien de cette volière, s'il te plaît, aide les Pokémon de celui en chassant la Team Rocket. Je te snob. Ah, j'ai un bug. J'ai pas sauvegardé. Eh ben, j'ai pas sauvegardé, bien sûr. Je coupe la vidéo, je rattrape tout.